الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة السبت، وليلتنا هذه هي الليلة 18 من شهر جمادى الأخيرة لعام 1400 للهجرة الموافقة 22 من شهر فبراير لعام 19 و2000. كالعادة نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى المعروف برياض الصالحين، وما زلنا بصدد قراءة باب التوبة، وقد قمنا بقراءة جزءا كبيرا من الحديث 19، ونواصل حيث انتهينا في الدرس السابق بإذن الله تبارك وتعالى. Maître et chère femme, nous réunissons comme chaque vendredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ce livre connu sous le nom du Jardin des Vertus, Riyad al-Salihin. Et nous sommes toujours dans la lecture du chapitre intitulé le chapitre du repentir, et nous avons lu une grande partie du hadith numéro 19 la semaine dernière. Il nous reste à lire une dernière partie de celui-ci avant de passer au suivant. هذا الحديث تذكرون أنه من كلام أحد التابعين اسمه زر بن حبيش رحمه الله تعالى ذهب للقاء أحد الصحابة وهو صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه، ذهب إليه ليطرح عليه سؤالا فقهيا أشكل عليه في موضوع المسح على الخفين، فذهب إليه يطلبه ويطلب خلال لقائه الجواب على سؤاله، فاستقبله صفوان رضي الله عنه أيما استقبال، أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في من يأتي الصحابة لطلب العلم، وذكر له بعض الفضائل المتعلقة بطلب العلم، ثم أزال اللبس الذي استقر في قلبه وأزال كذلك الشبهة التي حكت في صدره، وأجاب عن أسئلته. ثم سأله زر رحمه الله تعالى سؤالا آخر عن الهوى الذي هو الحب، وذكر له صفوان رضي الله عنه الحديث الذي فيه سؤال أحد الأعراب حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرء يحبه صاحبه ولا يلحق به، ولا يلحق به أي لا يعمل بعمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Donc pour résumer brièvement le hadith, c'est Zir ibn Hubaysh rahimahullah ta'ala, un des tabi'in, qui est venu interrogé un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui répond au nom de Safwan ibn Assal al-Muradi radiallahu anhu. Donc il avait des problématiques en rapport avec la question d'ordre juridique sur le fait d'essuyer les bottines en cuir, et il a été donc voir Safwan, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de trouver des réponses auprès de lui sur ces problèmes là alors lorsque Safwan a accueilli et reçu Zir, donc déjà premièrement il l'a accueilli de la meilleure façon, car le prophète alayhi salatu wasalam a recommandé à ses compagnons radiallahu anhum avant de mourir d'accueillir de la meilleure façon ceux qui viennent demander la science, car les gens viendront à eux pour leur demander ce qu'ils ont vu et entendu du prophète alayhi salatu wasalam. Puis ensuite il lui a évoqué certains des bienfaits et des vertus qui accompagnent celui qui vient demander la science. Et enfin, il a répondu à ses questions concernant l'essuyage sur les bottines en cuir. Ensuite, Zir a posé une autre question, cette fois sur l'amour. C'est-à-dire, est-ce que tu as entendu le prophète parler de l'amour, évoquer l'amour? Alors il lui a dit oui, et lui a raconté l'histoire d'un bédouin qui est venu interroger le prophète, alayhi salatu wasalam, au sujet d'un homme qui en aime un autre, mais qui n'arrive pas à le rejoindre, qui n'arrive pas à son niveau, qui n'a pas fait les mêmes actions que lui. Alors le prophète alayhi salatu wasalam lui a répondu « Al-mar'u ma'a man ahab » يعني l'homme il sera le jour de la résurrection avec celui qu'il aime. Wa tawaqafna hahuna. On s'était arrêté ici.
نستأنف القراءة. قال رحمه الله: فما زال يحدثنا. من المحدث؟ أهو زر يحدث أصحابه؟ رواة الحديث ذكرنا في الدرس السابق سند هذا الحديث، وهو مخرج عند الترمذي رحمه الله تعالى، فهو يرويه عن ابن أبي عمر، وابن أبي عمر يرويه عن سفيان الثوري، وسفيان يرويه عن عاصم ابن أبي النجود، وابن عاصم يرويه عن زر. فإما أن يكون الكلام من عاصم يقول فما زال يحدثنا، أي زر يحدثهم، أو يكون الكلام لزر، إذن يكون المحدث صفوان، فكلا المعنيين محتملان. وأيا كان فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. هذا الباب هو باب التوبة، باب التوبة الذي ذكرناه في الدروس السابقة، حيث قال عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما كان هذا الباب مفتوحا أو ما لم يغرغر. ففهم كثير من الناس أن هذا الباب أمر معنوي، وليس كذلك، بل هو باب حسي. أين موقعه؟ ذكر رحمه الله تعالى من المغرب. والغالب في الأحاديث النبوية أن المغرب إذا ذكر يراد به الشام، ولا يراد به المغرب الأقصى الذي يسكنه المغاربة، وإنما يراد بالمغرب في النصوص الشام، أي دمشق وفلسطين والأردن وما جاورها، لأن الشام بالنسبة للمدينة في غربها. إذن بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه هنا، أو للشك، والشك من أحد الرواة، وجاءت رواية أخرى عند الترمذي أن المقصود هو مسيرة عرضه. فهذا الباب عظيم جدا، مسيرة عرضه 40 أو 70 عاما، والمقصود على حسب سير الإبل، على حسب سير الإبل، والإبل إذا اشتد سيره يقطع في النهار ما يقارب 40 كيلو، ما يقارب 40 كيلو. أنا لم أجرب، وإنما أنقل عن المتخصصين أصحاب الإبل. فلك أن تضرب 40 كيلو ب 54 و300، علاش؟ لأنها أو لأن هذا عدد أيام السنة الهجرية. ثم اضرب النتيجة ب40 على حسب إحدى الروايتين أو ب70، فتجد النتيجة عددا هائلا، مما يدل على عظم هذا الباب، وأن هذا الباب لم يزل مفتوحا، وسيأتي عليه يوم سينغلق أو سيغلق، متى ذلك؟ عندما تطلع الشمس من مغربها. وعظم حجم هذا الباب يدل على أن التوبة يقبلها الله تبارك وتعالى من عباده مهما كان ذنبه، وإن عظم ذنبه، وإن كان في نظره لا يغتفر، يعني في نظر المذنب، فهو عند الله تبارك وتعالى حقيرا صغيرا، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب جميعا كما أخبر عن نفسه عز وجل. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، وهذا يوافق ما قلناه سابقا
في تفسير المغرب قبل الشام: خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذا الباب خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فوجوده قديم جدا ولم يزل موجودا مفتوحا على مصراعيه إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي تطلع الشمس فيه من مغربها، فحينئذ يغلق هذا الباب، وحينئذ لا تقبل توبة أحد لم يؤمن قبل ذلك، لا تقبل توبة أحد لم يؤمن قبل ذلك. فعندما تسمع مثل هذا الخبر يجب أن تبادر إلى التوبة وأن تجددها كل يوم، كلما أحدثت ذنبا أحدثت له توبة، وإياك والتسويف، إياك والتسويف، لا تترك نفسك تحدثك أنه ما زال أمامك من الوقت ما يكفيك، فتمتع بهذه الأيام وهذه السنين، وعندما تصبح لحيتك بيضاء، وعندما يحذوذب ظهرك، وعندما تتكئ على العكاز، فحينئذ تب إلى ربك. لا، يجب أن تبادر بالتوبة وأن تتوب على الفور، قوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Donc, on reprend là où on s'est arrêté. فَمَازَالَ يُحَدِّثُنَا. Il n'a cessé de nous parler. Qui parle et qui leur a parlé? Donc ici, il faut revenir aux protagonistes de l'histoire. Donc les principaux protagonistes sont Zir ibn Hubaysh et Safwan ibn Assad. Donc ici, quand on lit فَمَازَالَ يُحَدِّثُنَا, il n'a cessé de nous parler, il est possible que ce soit Zir qui nous parle et qui nous dise que Safwan n'a cessé de leur parler. Mais cet avis-là, il me paraît un peu lointain. Parce que Safwan, ici, il est là pour répondre aux questions de Zir. Donc si Zir ne lui pose pas de questions, Safwan ne parle pas. Donc il apparaît que c'est quelqu'un à qui Zir a parlé qui dit « فَمَازَالَ يُحَدِّثُنَا » et que celui qui leur a parlé, c'est Zir lui-même. Et on avait vu la semaine dernière, lorsqu'on a lu, on a commencé la lecture de ce hadith-là, la chaîne de transmission, on avait vu que il était rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, et que celui qui rapporte le hadith de Zir ibn Hubaysh, il s'appelle Asim ibn Abi al-Nujud. Ta'rifun hadha al-rajul? Tisma'un anhu? Ana ajzimu wa aqta'u annakum ta'rifun. عاصم أحسنت فتح الله عليك. أي نعم، هذا صاحب الرواية أو صاحب الروايتين. كون دي حفص عن عاصم، شكون هذا عاصم؟ هذا بس لوي عاصم ابن أبي النجود. إلى في دو راوي، إلى حفص الذي تعرفونه، إلى في شعبة، شعبة حفص. على كل حال، عاصم هذا سلوي كي دي فَمَازَالَ يُحَدِّثُنَا. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle, ils disent, il n'a cessé de nous parler. Parce que là, c'est Zir qui rapporte à Asim qu'il a été voir Safwan et qu'il lui a posé des questions et que Safwan lui a répondu. Quand les questions ont été posées et que les réponses ont été données, eh bien, Zir a continué de leur parler. Et il leur a dit d'autres choses. Et parmi les choses qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a parlé d'une porte qui se trouve à l'Occident. Al-Maghrib, Al-Gharb. Donc quand on entend Maghrib, surtout qu'on est un Maghrébi, un Maghrébin, on croit que ça fait référence au Maghreb, donc à l'Afrique du Nord. Calme-toi. Ce n'est pas le Maghreb. Lorsque dans les hadiths on parle du Maghreb, c'est l'Occident par rapport à Médine. Mais il y a le point de l'Occident, donc de l'Ouest, le plus proche par rapport à eux, et aussi le plus important. Ça fait donc référence au Cham,
Le shem en arabe, on dit aussi sha'm, hein, bi tahqiqi al-hamza. Mais le thani ashhar. Le shem, c'est une région qui englobe donc la Syrie, la Palestine, la Jordanie, toute cette zone là. Harraha Allah min aydi al-abithin. Et cette zone là l'appelle le shem. Et quand le prophète il parle dans les hadiths du Sham, de Maghreb, il parle du Sham. Il parle du Sham. C'est comme dans un hadith, un autre hadith, où il dit à cette salam, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqi zahirin, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum, wa la yazaluna kadhalika hatta ya'tiya amrullah, wa hum bil-Sham, fi riwaya, wa fi ukhra, wa hum bil-Maghreb. فظن بعض المغاربة أنهم أصحاب هذا الحديث وليس كذلك. كما نتو حديث صلى الله عليه وسلم qu'il y aura toujours dans ma communauté un groupe qui sera visiblement sur la vérité. Ceux qui tenteront de leur nuire, ceux qui les abandonneront, ceux qui s'opposeront à eux ne leur feront aucun mal et ils ne cesseront d'être ainsi jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et ils sont au Sham, dans une version. Donc ils sont au Sham, donc la région dont je viens de vous parler, dans une version ils sont au Maghreb. Mais vous savez qu'il y en a qui ont vraiment cru que ce hadith-là parlait des Maghariba, donc du Maghreb, des Arabes, du nord de l'Afrique. On a aussi le hadith du Mahdi, comme quoi « Ya'ti min al-Maghrib » Là, pareil, on a des Marocains, des Algériens, ils disent oh, c'est moi le Mahdi. Non, c'est pas toi le Mahdi. Non, il n'y a pas longtemps, il y a deux ou trois semaines, là, on m'a parlé encore de quelqu'un qui se prenait pour le Mahdi ici, là, dans 93. Donc, le hadith qui dit que le Mahdi viendra de le Maghreb, c'est le Maghreb par rapport au prophète, c'est pas par rapport au monde. Hmm? Déjà, à cette époque-là, il n'y avait pas de musulmans au Maghreb, il n'y en avait pas. Ils sont venus après. Hmm? Alors, Shahid, donc, quand ici, cette porte-là dont on parle, c'est la porte du repentir, qui se trouve au Maghreb, c'est-à-dire à l'Occident, c'est-à-dire au Sham. Cette porte-là, elle est immense. Entre ces deux parties, un cavalier peut galoper pendant 40 ou 70 ans. Et là, on fait référence généralement aux chameaux et pas aux chevaux. C'était le principal moyen de locomotion à l'époque. Même si le cheval était utilisé, il était moins. Le cheval servait plus à la guerre qu'au voyage. C'était le chameau qui servait plus au voyage. Donc là, quand on va voir ceux qui ont des chameaux, qui connaissent la vitesse de croisière d'un chameau et les distances parcourues dans la journée. On voit que dans une journée, un chameau faisait à peu près une quarantaine de kilomètres. Et là, tu te dis, avec ma voiture, je fais 600, 700, 800. Et t'es pas content en plus. Tu as la clim, un autoradio, un siège chauffant, un régulateur de vitesse. Il y a même maintenant des autoradios avec des écrans où tu peux regarder des vidéos. Et t'es pas content. Avant, avec un chameau, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de vitre électrique, il n'y a pas de toit ouvrant. Et tu fais 40 km dans la journée. Dans la journée. Mais bref. Donc là, on nous parle d'une porte dont les deux extrémités, entre les deux extrémités, on a une distance que le chameau parcourrait en 70 ans. Parce qu'ici, il y a un doute. Soit 40, soit 70. Mais dans une autre version du hadith, c'est 70. Et dans ce genre de cas-là, comme vous voyez dans les hadiths, ou ça, qui a un doute, le doute il provient d'un des rapporteurs. Le rapporteur, il a tellement peur de mal rapporter le hadith, quand il a un doute, il évoque les deux éventualités qu'il a pour être sûr d'apporter la bonne. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va regrouper toutes les autres versions du hadith, on va les comparer pour voir, dans le doute, laquelle des deux était la bonne. Donc, tu fais 40 km fois 354. 354, pourquoi? C'est le nombre de jours dans l'année égérienne. Et le résultat,
tu le multiplies par 70. Et ainsi, tu auras le nombre de kilomètres qu'il y a entre ces deux portes. Enfin, je veux dire, entre les deux extrémités de la porte. C'est quelque chose d'immense. Après, on a parlé la semaine dernière aussi. On a dit, comment ça se fait que si cette porte-là, quand on parle de la porte du repentir, comme quoi la porte du repentir, elle est toujours ouverte? Allahu Akbar. 98 000 kilomètres. Voilà, c'est ça. On va arrondir à 100 000. Voilà. Donc, on a parlé, on a dit, comment se fait-il si on a une porte aussi grande au Shem? Il y a 100 000 kilomètres au Shem? Il n'y en a pas. Oulala. Il n'y a pas 100 000 kilomètres au Shem. Fimana alam nahnu, on ne sait pas. Donc, on pourrait se dire, avec les satellites et avec les moyens technologiques aujourd'hui, on le trouverait sans aucun problème. Mais nous, on a dit, Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in qadir. Allah, il nous a informé de choses que notre aql, il ne comprend pas. Mais on doit y croire. Mathalan, il nous a dit que Banu Israël, quand ils ont refusé de rentrer à Bayt al-Maqdis, Allah, il les a punis en les laissant errer dans le désert du Sinaï 40 ans. Moi, j'ai déjà été au Sinaï. En touriste, hein, je vous rassure. Hein. Ça fait... ça fait au moins presque 15 ans. Et c'est pas énorme. Ça veut dire que toi, à pied, 1-2 ans, tu fais le tour. Comment est-ce que pendant 40 ans, ils n'ont pas réussi à en sortir? Comment? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il fait ce qu'il veut. Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la terre, elle s'élargit, ou elle se raccourcit, ou elle apparaît, ou elle disparaît, il a akhiri. Ou autre exemple, Ya'juj wa Ma'juj. On sait que Ya'juj et Ma'juj sont enfermés sous terre par une sorte de muraille immense, très épaisse et grande. Allah dit dans le Coran, فَمَسْتَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Ni ils n'ont pu l'escalader, tellement elle est haute, ni ils n'ont pu la perforer, tellement elle est épaisse. Et on a dans le hadith, comme quoi, tous eux, ils travaillent la nuit. Et le jour, ils vont dormir. Toutes les nuits, ils creusent. Comme ils ne peuvent pas la perforer, ni passer par en dessous, au-dessus, pardon. Alors, ils se sont dit quoi? On va passer par en dessous. Alors, ils creusent. Toutes les nuits, ils passent la nuit entière à creuser. Lorsque le soleil se lève, ils disent quoi? Bon, on va aller dormir, on reviendra demain. Et quand ils vont dormir, eh ben, le trou qu'ils ont creusé, il se referme. Tout le temps. Jusqu'au jour où, je ne sais par quel miracle, leur chef il dira, on reviendra demain, Inch'Allah. Et là, le trou qu'ils ont creusé, eh ben, il restera tel quel. Et c'est ce jour-là qu'ils sortiront. Ala kulli hal, c'est comme Allah dit dans le Coran, Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Jusqu'au jour où on ouvrira futihat. Il n'a pas dit fatahat. Donc, tu vois la différence entre la conjugaison du verbe à la voix active et la voix passive. C'est pas eux qui ouvriront, c'est on leur ouvrira. Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Et ils déferleront de toutes parts sur terre. Ils déferleront de toutes parts sur terre. Ash-shahid, c'est que là on vient de faire un calcul, on nous dit qu'une pleine porte qui se trouve au Shem, qui est immense, qu'Allah Ta'ala a créée quand il a créé les cieux et la terre. Donc elle est vieille, très vieille. Donc on aurait dû entendre parler de cette porte-là, par tout le monde. Et pourtant ce n'est pas le cas. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il fait ce qu'il veut. Il cache ce qu'il veut, il montre ce qu'il veut. Donc quand tu dis, ouais mais c'est bizarre aujourd'hui, attends, on a des moyens techniques qui nous permettent de voir la plaque minéralogique d'une voiture à des kilomètres d'altitude. Oui, ça c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla, il a bien voulu nous faire voir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. On ne peut cerner quelque chose de ce qu'Allah nous donne comme science que s'il le veut. Que s'il le veut. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, les humains ignoraient l'existence des atomes, des ions, de ce qui est nucléaire, de l'électricité, j'en passe d'autres. Jusqu'à, il a fallu pas longtemps pour que ça commence à apparaître. Ala kulli hal. Donc, on nous parle d'une porte immense. Pourquoi cette porte elle est aussi immense? C'est parce que c'est la porte du repentir. Cette fameuse porte qui reste ouverte
et par laquelle passe le repentir de tout le monde. Et comme il y a énormément de gens qui se repentent, parce qu'il y a énormément de gens qui font les péchés, alors cette porte-là est assez grande pour accueillir le repentir de tout le monde. Et elle a été créée, comme il l'a dit après Sufyan al-Thawri, rahimahullah, le rapporteur du hadith, il dit « Qibal al-Sham », donc vers le Sham. Allah l'a créé le jour où il a créé les cieux et la terre. Cette porte est ouverte pour accueillir le repentir. Et elle ne se fermera que lorsque le soleil... Isma'u ma yaqul wa la yughlaqu hatta tatlu' ash-shamsu minhu, jusqu'à ce que le soleil se lève de lui. Et là le hadith dont on a parlé la semaine dernière, comme quoi min alamat sa'a, parmi les signes de la fin des temps, comme quoi le soleil se lèvera de son coucher. Hal al-maqsud bi al-maghrib maghrib ash-shams aw al-maghrib al-madhkur fi hadha al-hadith bi kulli qala ahl al-ilm. Donc est-ce que quand on parle du hadith comme quoi le soleil se lèvera de son coucher, ça veut dire qu'il se lèvera de l'endroit où il s'est couché, ou bien, parce que le coucher c'est le Maghrib, ou bien ça fera référence à cette porte-là. Ce qu'il dit c'est quoi? Il dit quoi? Que cette porte-là ne se fermera que le jour où le soleil se lèvera de là-bas, du Maghrib, du Sham, cette porte-là. Les deux avis sont possibles. Et les deux avis ont été cités par les ulama. ذكرهم القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة. À la kulli hal, ce soit l'un ou l'autre, ce qu'on sait, c'est que avant la fin des temps, le soleil se lèvera de son coucher ou de cette porte-là, et à ce moment-là, la porte du repentir se fermera. Et à ce moment-là, toute personne qui n'a pas cru avant que la porte se ferme, aucun repentir ne sera accepté de lui. Et donc nous, quand on sait qu'il y a une date limite au repentir, on doit se précipiter le plus rapidement possible au repentir. Chaque fois qu'on fait un péché, automatiquement après, on se repent. Comme Allah dit dans le Coran, que le péché, le repentir incombe à Allah envers ceux qui ont fait du mal par ignorance, puis qui se sont repentis juste après. C'est-à-dire que le temps où ils se sont repentis est proche du moment où ils ont péché. Ils n'attendent pas plus tard. Comme on appelle en arabe at-taswif. At-taswif du verbe sawfa, qui veut dire remettre à plus tard. Dire bien plus tard. Sawfa. Ani bientôt, plus tard. Et donc, on se fait voir par ça. Il y a des gens, il ne faut pas la prière, boivent de l'alcool et autres. Et quand on va les voir, alors c'est des musulmans, craignez Allah, revenez vers Allah, ils disent, voilà, t'as raison, c'est vrai, mais pas maintenant, plus tard. Subhanallah. Quand bien même tu arriverais à un âge où ta barbe sera blanche et ton dos sera courbé, et où tu te déplaceras en t'appuyant sur une canne, qu'est-ce qui te garantit déjà que tu arrives à cet âge-là? Puis, imagine-toi, le jour où tu te dis quoi, allez, je vais faire tawbah aujourd'hui, eh bien la porte elle se ferme. Tu ne sais pas cette porte elle va se fermer quand. On ne sait pas. Il ne faut pas jouer, on ne joue pas au poker avec sa propre vie. Et pas la vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà. Parce que si Allah il n'accepte pas ton repentir, je ne donne pas cher de ta peau. Et donc, ce qu'on doit retenir de ce hadith-là, ce long hadith, il a été rapporté entièrement pour la dernière partie. Parce qu'on a parlé de cette porte-là. Beaucoup ils pensent qu'on parle de la porte du repentir, que c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose de réel. Eh bien si, c'est quelque chose de réel. Quelque chose de concret. Qui fait partie du monde de l'invisible. Mais on ne le voit pas. طيب ننتقل إلى الحديث العشرين وفصل حديث نيميرو 20. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم. وجاء في رواية البخاري أنهم بنو إسرائيل. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا
هذا يسمى في لسان العرب بالفتاك، السفاك للدماء. فثمة فرق بين القاتل الذي يزهق النفس والذي يقتل الأنفس ويسفك الدماء، فهذا لم يقتصر على قتل نفس واحدة، وإنما لوث يديه بدماء 99 أو 99 نفسا، فهذا جرم عظيم وإثم كبير. وقد نهى الله عز وجل الناس كلهم عن القتل ظلما وعدوانا. قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا من الشرائع السابقة التي أنزلها الله عز وجل على الأمم السالفة. وأول من سن القتل أحد ابني آدم عليه السلام، ومما يدل على أن القتل كان محرما في شريعته أن الله عز وجل عاقبه وشد العقاب، وما كان الله عز وجل ليعذب الناس ولم ينزل عليهم كتابا ولم يرسل إليهم رسولا. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان الله عز وجل معاقبا القاتل بين ابني آدم دل ذلك على أن الأمر كان معلوما عندهما. فالقتل مما حرم في الأزمنة الأولى ولم يزل كذلك في سائر العصور. فهذا الرجل الذي كان في بني إسرائيل قتل 99 نفسا، ومع انغراقه في بحر الذنوب بعث الله عز وجل في قلبه إرادة التوبة، كأنه أصبح لم يطق القتل مرة أخرى، مع أن القتل صار في نفسه سجية، ربما قتل كل يوم نفسه. فسأل عن أعلم أهل الأرض، وهذا الرجل رغم انغماسه في القتل والفتك وسفك الدماء له شيء من العقل، فأخذ يسأل من حوله عن أعلم أهل الأرض. لماذا؟ لأن مسألته مسألة حائكة شائكة عظيمة، وعلم أن مثل هذه المسائل لا ينبغي أن تطرح على الصغار بل ينبغي أن تطرح على الكبار. فإذا كان القتال يدرك هذا، أفلسنا أجدر أن ندركه؟ اليوم نسمع الناس يتجهون إلى كل من هب وذب ممن يظهر في الشاشات وعلى الشبكات وغير ذلك، ويسألونهم أسئلة لو عرضت على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر لمشاورتهم قبل أخذ القرار. واليوم تجد الصبي الغلام الذي لم تزل أسنانه ضعيفة وأظافره ناعمة ويجترئ على الإجابة وهو لا يعرف قرآنا ولا سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الرجل رغم تلوثه بالقتل لم يزل عنده شيء من العقل، فسأل عن أعلم أهل الأرض. وبصوا حديث سويفان الحديث غابرتي بار أبو سعيد الخدري سعد بن سنان بن مالك رضي الله عنه أو سعد بن مالك بن سنان. Il nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم leur a rapporté une histoire
chez les gens qui nous ont précédés. Parmi ceux qu'il y avait avant vous, la version que l'imam An-Nawawi nous rapporte ici, on nous dit ceux qu'il y avait avant vous. Mais le Bukhari, dans sa version, lui, précise qu'il s'agit de Banu Israël. De Banu Israël. D'ailleurs, Mbab al-Fa'ida al-Qur'aniya, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il parle des Hébreux en les appelant soit Banu Israël, soit Alladhina Hadou. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله وبين الذين آمنوا والذين هادوا إلا سن فعل سنو الاسم سي اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وكالله تبارك وتعالى il cite deux appellations différentes pour désigner cette communauté là. Est-ce que ce sont des synonymes et que chacune d'entre elles convient comme appellation, qu'on les appelle Banu Israël ou Al-Yahoud, c'est pareil? Ou bien est-ce qu'il y a une différence entre eux? Eh bien, il y a une différence entre eux. Quand on dit Banu Israël, ce sont ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam. Et quand on dit Al-Yahoud, ce sont ceux qui ont khalif Moussa alayhi salam. Ce sont ceux qui se sont opposés et qui n'ont pas suivi la guidée de Moussa alayhi salam. Donc ceux qui ont kfar min Bani Israël, on les appelle al-Yahoud. On les appelle al-Yahoud. Allah dit dans le Coran: "Al-ladhina kafaru min bani Israël 'ala lisan Daoud wa 'Isa ibn Maryam. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam alayhima as-salam. Donc là on a une indication comme quoi il y a des gens qui parmi Banu Israël ont mécru. Et à partir de là, جاءت التفريقة, la séparation al-lafdhiya dans l'appellation elle est venue. Ali, les juifs, quand on dit Yahoud, ça fait référence à ceux qui ont désobéi à Moussa et qui ne l'ont pas suivi. Et quand on dit Banu Israël, ça fait référence à ceux qui ont obéi à Moussa et qui l'ont suivi. Taïb. Donc cette histoire-là, elle est arrivée parmi Banu Israël. Il y avait parmi eux un homme qui a tué 99 personnes. Et là, il est important de préciser plusieurs choses. La première, c'est que le meurtre fait partie des actes interdits dans toutes les législations depuis toujours. Il n'y a pas un livre qu'Allah Ta'ala a révélé aux gens par le biais d'un prophète qui leur a été envoyé sans que n'y soit mentionnée l'interdiction du meurtre. Et le premier qui a tué, c'est un des deux fils de Adam, les fameux Qabil ou Habil. Donc on sait que, comme Allah raconte l'histoire dans le Coran, qu'un des deux frères a tué l'autre. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a puni pour cela. Et Allah azza wa jalla ne va pas punir quelqu'un avant de lui avoir au préalable envoyé un message. Allah dit dans le Coran: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous n'allons pas punir avant d'avoir envoyé un message. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala a puni le fils meurtrier de Adam, c'est qu'il était au courant de l'interdiction du meurtre. D'ailleurs, quand on revient dans l'histoire, le frère tué, il lui dit: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Donc il lui dit: tu vas prendre le péché. Parce que juste avant, il lui a dit qu'il allait le tuer. Donc le meurtre a toujours été interdit dans toutes les législations qui nous ont précédées, jusqu'à la dernière qui est la nôtre. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, juste après l'histoire des deux fils d'Adam: à partir de ça, min ajli dhalika, à cause de ça, كتبنا على بني إسرائيل. Nous avons prescrit, yani rendu obligatoire, du moins on a écrit à Banu Israël: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Comme quoi toute personne qui tue une âme sans qu'elle ne l'ait méritée, sans qu'elle l'ait tué à son tour quelqu'un, أو فساد في الأرض, ou dans le but de semer des ordres sur terre, فكأنما قتل الناس جميعا. C'est comme s'il avait tué tout le monde.
Donc le meurtre a toujours été interdit. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في سائر الأديان. فلو جاء شخص فقتل آخر ثم اعتذر بجهله لم يقبل عذره. Si quelqu'un il vient et tue une personne et il te dit je savais pas que c'était interdit, on n'acceptera pas son ignorance parce que ça fait partie des choses qui sont obligatoirement connus dans la religion. C'est pas quelque chose que les gens ils ignorent, que le meurtre est interdit. Tout le monde sait ça. Lui, il n'a pas tué une seule personne. C'est pas seulement un tueur. Lui, c'est un meurtrier. Il a dépassé le stade du simple meurtre. Lui, il est arrivé dans le stade du massacre. Il a tué à lui tout seul 99 personnes. C'est-à-dire que ses mains sont ensanglantées, salies par le sang d'une centaine de personnes. Donc déjà, ça te montre ses journées. Ça te montre l'absence de Rahma dans son cœur pour tuer autant de gens. Faire couler autant de sang. C'est quelque chose d'énorme. Donc déjà, tuer une seule personne, c'est un énorme péché. Après le shirk, c'est le qatl, le pire des péchés. Après l'association qu'on fait envers Allah Azza wa Jal, le pire des péchés c'est le meurtre. Et أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. La première des choses qu'on jugera entre les gens le jour de la résurrection, c'est le sang qui a été coulé بغير حق, injustement. Donc ça, c'est une personne. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de quelqu'un qui tue des dizaines de personnes, tout seul? Bien entendu, plus le péché se reproduit, plus il est grave. Quelqu'un, مثلاً, qui va mentir une fois, on va dire « هذا كاذب ». Quelqu'un qui va mentir plusieurs fois, ou bien qui va dire un gros mensonge, on va l'appeler « كذاب ». Donc ce n'est pas seulement un simple tueur, c'est un assassin, un meurtrier. Et pourtant, malgré la noirceur d'une âme pareille, eh bien Allah Azza wa Jalla a fait naître dans son cœur l'envie de se repentir. وَيَجِبُ أَن تَسْتَنْبِطَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ أَمْرًا مُهِمًّا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَكَ أَن تَيْأَسَ مِنْ شَخْصٍ مَهْمَا كَانَ شَرُّهُ مهما كان شره فإن بلغت ذنوبه عنان السماء ولم تزل روحه تذب في جنبيه أو بين جنبيه ولم يزل قلبه يضطرب في صدره فلم يزل هناك رجاء في أن يتوب الله عز وجل عليه. قال إبليس لما طرد من ملكوت السماء وهو يخاطب الله عز وجل وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. Et là tu dois retenir une leçon très importante. C'est qu'il ne faut jamais désespérer d'une personne. إِيَّاكَ أَن تَحْكُمَ عَلَى النَّاسِ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَهَذَا الْأَمْرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَلَا بَيْنَ يَدَيْكَ بَلْ هُوَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Prends garde de dire aux gens, ces gens-là, ils vont aller en enfer. Ah, ça, c'est pas de ton ressort. Ça, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Tant que les gens, ils sont vivants, tu ne dois pas désespérer d'eux. Et même les pires des êtres humains, ceux dont les péchés atteignent la cime des cieux, tant que dans leur corps, il y a un cœur qui bat et une âme qui vit, alors il y a toujours un espoir. Iblis, quand il s'est fait chasser du royaume céleste, il a dit à Allah Azza wa Jalla, par ta puissance et ta gloire, je ne cesserai de les égarer
tant que leurs âmes seront dans leur corps. Et Allah lui a répondu, par ma puissance et ma gloire, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils imploreront mon pardon. Et dans le hadith d'Abi Dharr radiallahu anhu al-Qudsi, قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الله dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Demandez alors ma guidé, je vous guiderai. Puis dit, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Vous faites des péchés jour et nuit. Et moi, je pardonne tous les péchés. Implorez alors mon pardon, je vous pardonnerai. Donc, des fois, on voit des gens, on a entendu dernièrement dans les informations, des gens qui étaient dans des partis d'extrême droite, des racistes, des anti-islam, ben, sont convertis à l'islam. Ce matin, on a entendu des politiciens, que ce soit en Allemagne ou en France, des gens qui ont passé leur temps à cracher leur venin sur l'islam et les musulmans. Allah, il les a guidés, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas longtemps de ça, quelques années de ça, il y avait un Hollandais qui avait fait un film contre l'islam. Et bien, il s'est converti à l'islam. Et il a dit, regarde, il s'est converti. Donc, sa conversion sert de repentir et efface les péchés qu'il a fait avant son islam. Mais il a dit qu'il a juré et promis à Allah Ta'ala de refaire un film où, justement, il fera les éloges de l'islam. Donc, il ne faut jamais désespérer des gens. Jamais. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala yukhrijou l'hayya min al-mayyit wa yukhrijou l'mayyita min al-hay wa yuhyi l'arda ba'da mawtiha. Parce qu'Allah azza wa jalla, il fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort, et il fait revivre la terre après qu'elle ne soit morte. Tu ne sais pas toi. Tu ne sais pas toi comment tu vas finir. Comme tu ne sais pas les autres comment ils vont finir. Et les actes ne valent que selon la façon dont ta vie est clôturée et achevée. Cet homme-là, malgré la noirceur de son âme, malgré la quantité de péchés qu'il a accompli, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala a vu dans son cœur qu'il méritait le repentir. Hachib Allah. Wallah, hada amrun fi ghayati al-ajab. Ça, c'est une chose dans laquelle l'étonnement, il est total. Et tu vas voir des gens, toi, quand tu les vois, tu te dis, Hada min ahsani man wati al-arda bi qadamay. Celui-là, c'est parmi les meilleurs hommes sur terre. Wa la'allahu min akhbathihim wa sharrihim. Alors que peut-être il fait partie des pires d'entre eux. Et à l'inverse, tu vas en voir un, tu vas te dire, lui, c'est le pire des hommes. Et tu sais pas ce qu'Allah va faire de lui. Peut-être qu'Allah il lui réserve de grandes choses. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. عجيب. يعني الله Allah Ta'ala va secourir cette religion avec un homme pervers, mauvais. يصلحه الله في ليلة. Allah il le rendra meilleur en une seule nuit. لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Parce que les cœurs, ils sont entre deux des doigts d'Allah Azza wa Jalla, il les retourne comme il le veut. إذن cet homme-là, malgré la noirceur de son âme, Allah تبارك وتعالى a fait naître dans son cœur l'envie de se repentir, d'arrêter. Et en plus de ça, il lui a fait garder la raison et l'intelligence. Parce que lui, il s'est mis à interroger les gens autour de lui sur l'homme le plus savant sur terre. Parce que son histoire à lui, sa question à lui, c'est pas une question basique, une question classique, c'est une question énorme. J'ai tué 99 personnes, comment je peux me repentir? Et lui, il a compris, ce qui prouve la présence de son esprit et de son intelligence, que les grandes questions, on les pose aux grands hommes. Pose pas aux petits. Abu Bakr et Omar radiallahu anhu leur posait des questions. Pour y répondre, ils réunissaient tous les participants à la bataille de Badr. Halloumou ayyou al-Badriyoun. Allez, venez, ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Ils venaient, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question, j'aimerais votre avis pour savoir
ce que vous en pensez, est-ce que vous avez entendu le prophète parler de ça ou pas. Et quand ils avaient tous consulté, là seulement ils répondaient. Il y a un homme, il y a une femme qui est venue voir Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, mara'a, ajouz, vieille femme, elle a dit, mata hafidi wa lam yatruk ahadan, fama nasibi min tarikatihi. Une vieille femme, il vient voir Abu Bakr radiallahu anhu, elle lui dit, mon petit-fils vient de mourir et il n'a laissé personne. C'est quoi ma part de son héritage? Alors Abu Bakr, il dit, la ajidu laki fi kitabillahi shay'a. Dans le Coran, je ne trouve rien te concernant. Allah, il ne parle pas des grands-parents. Il n'a pas voulu l'adlam. Alors il a réuni les sahaba. Alors il leur a posé la question. Il a dit, hal sami'tum shay'an fi dhalika ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'un d'entre vous dont tu pourrais parler ça? فتقدم احدهم وقال نعم سمعت ان لها الثلث. Je dis oui, j'ai entendu qu'elle avait le tiers. فقال له ابو بكر امعك احد. Il y a quelqu'un avec toi qui peut confirmer ce que tu viens de dire ou pas? اتظنون ان ابو بكر يشك في احد الصحابه؟ لا لكنه القول في دين الله لكنه القول عفوا في دين الله وهو ثقيل فلا بد من دليل قوي وبرهان ساطع. Là, vous pensez qu'Abu Bakr doute de cette personne-là? C'est un compagnon. Donc forcément, il ne peut dire que la vérité. Mais en fait, lui, il est conscient de l'importance, de la responsabilité qu'il y a dans le fait de parler sur la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pas n'importe qui vient dire halal, haram, wajib ou la makruh. C'est pas n'importe qui. Alors il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi qui peut confirmer ça? Et là il se tait. Alors je crois que c'est Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui s'approche, qui s'avance lui aussi. Il dit, j'ai entendu la même chose que ce qu'il a entendu. Mais ce qui est ajib, c'est que Abdurrahman ibn Auf, il n'a pas directement dit, moi j'ai entendu. Parce qu'ils ont peur. Sahaba, ils ont peur de rapporter une chose que le prophète n'a pas dit. Et Abu Bakr a peur d'appliquer une chose qu'Allah n'a pas révélée. Et c'est khiyar nas, c'est les meilleurs des hommes. Wa a'lamu hadhihi al-umma ba'da nabiyha, les plus savants de cette communauté après le prophète. Et regarde leur mu'amala ma'a an-nusus ma'a ash-shari'a. Regarde leur rapport avec la religion d'Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, n'importe qui vient, avant-hier ils vendaient du shit, aujourd'hui ils disent halal haram. N'importe qui vient et on parle dans la religion d'Allah sans science. Il y a des gens qui ont passé leur vie entière dans les kutub à étudier, à lire. Là, je lisais il n'y a pas longtemps ça, des ulama qui ont lu, des livres, un nombre de fois exceptionnel. Adrib lakum ala sabil al-mithal, Sheikh Ibn Baz, il a lu le sharh de Sahih Muslim 90 fois. Il y a des ulama qui ont lu Sahih al-Bukhari 700 fois. Hamad al-Ansari, min ulama al-Mali, fi al-Qarni al-Sabiq, il était malik fi al-Fiqh. Quand il arrivait en Arabie, sa'ala an-nas, vous êtes de quel madhhab? Qalu nahnu hanabila, min madhhab al-Imam Ahmad. Nous, on suit le madhhab al-Imam Ahmad. Alors lui, il ne connaissait pas le madhhab al-Imam Ahmad. Il leur a dit, dulluni ala kitabin min madhhabikum, aktashifu fihi. Alors, donnez-moi un de vos livres, comme ça je l'étudie, comme ça je sais c'est quoi votre madhab. Ils lui ont donné le Mughni. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Mughni, c'est comme Fath al-Bari, c'est une quinzaine de volumes. Des groupes avec, comme ça, Ibn Qudam al-Maqdisi. Il l'a lu 70 fois. Allez, c'est quelque chose. La yusaddaq. Parce que nous, on ne lit pas. Pour nous, c'est quelque chose de. Non, arrête, abuse. Et en plus, c'est pas le seul livre qu'il a lu dans sa vie. Ça, c'est parmi les livres qu'il a lus. Tu te rends compte, toi, 15 volumes, tu les lis 90 fois, chacun. Hachibada. Et ces gens-là, au bout de 40, 50, 60 ans dans Talab al-Ilm, ils viennent et ils disent halal, ils disent haram. Non. Toi, t'es là. Kima yuqala, la ta'rifu al-ku'a min al-bu'a. Hein? Tu connais pas le poignet de la cheville. Et en fait, le kou' al-bou' c'est le radius et le cubitus, si on veut rentrer dans les détails. Même en français, tu ne connais pas le cubitus du radius, hein?
يا tu vas étudier halal haram tu dis machallah tu étudies où non moi j'ai pas étudié ah tu connais le Coran alors non moi je connais quelques sourates de la fin ah donc tu connais le hadith non même pas pourquoi tu parles يعني لو وقف كل منا على حده وامسك على لسانه لصلحت الاحوال والله si chacun d'entre nous s'arrêtait à sa place et tenait sa langue on n'aurait pas de problème. Aujourd'hui les gens ils viennent et ils disent quoi الدليل الدليل qu'est-ce que ça veut dire quoi ça الدليل qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tu as compris toi ça veut dire quoi الدليل tu sais ça veut dire quoi toi الدليل ou tu sais pas on avait donné un exemple la dernière fois d'une histoire où le dalil n'était pas suffisant. Vous vous souvenez? Un sahabi qui se fait blesser à la tête, qui se couche et qui se réveille en janabah. Donc lui demande aux autres sahabas, est-ce que vous pensez que j'ai le droit de faire tayammum? Ils ont dit non. Ma dum taqadiran ala al-ma. Al-ma mawjoud la yajuz laka tayammum. Ils ont dit non. T'as pas le droit de faire tayammum. L'eau elle est présente. Pourquoi Allah dit quoi dans le Coran? Fa illam tajidu ma'an. Si vous ne trouvez pas d'eau, فتيمموا صعيدا طيبا سي النص سي صح ولا لا سي ان دليل با سي ان دليل افتوا بدليل نعم اي pourtant اخطاوا وجنبوا الصواب اي pourtant ils se sont trompés eh bien et qu'est-ce qui s'est passé l'homme il s'est lavé il est mort فدعا النبي عليهم عليه الصلاه والسلام قاتلوه قاتلهم الله ils l'ont tué qu'Allah les combattent. Al-Shahid, toi tu viens 15 siècles plus tard, la tombe de Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, de Ahmed, il y a des milliards de musulmans qui ont été faire prier sur eux et demander à Allah de leur faire rahma. Et il a eu mina hada, natafaqahu ala idihim, on apprend le fiqh selon leur ilm. Toi tu viens, tu dis, ils n'ont pas de dalil. On a agi pas. Donc toi, tu azimu le dalil. وهؤلاء لا يعظمون الدليل. Toi, t'es un jahil, mahad, la ilm alak, t'as pas de science, que toute personne qui vient vous voir et dit d'akhi nous suit dalil, remettez-le à sa place. كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من الأحاديث؟ كم قرأت من كتب الفقهاء؟ كيف يجوز لمثلك أن يطلب الدليل؟ كيف؟ Faut pas faire ces choses-là. Faut pas. Soit t'es un alim, soit t'es un jahil. Y'a pas d'intermédiaire entre les deux. Al-Shahid, c'est que ces gens-là disent, non, mais les quatre écoles, il n'y a pas de dalil. Voilà, moi, cette phrase-là ne me rentre pas dans la tête, voilà. J'arrive pas à la comprendre. Comment quelqu'un, il peut dire ça? Voilà, quelqu'un qui dit une chose pareille, c'est quelqu'un qui a aucun ilm du fiqh. Il connaît rien du fiqh. Absolument rien. Je vais donner un exemple. Dans le madhab Hanbali, on voit que, min adab al-masjid, parmi les bienséances de la mosquée, an tanwiya li'itikaf, indama, تذهبوا الى المسجد ولو لوقت يسير ça c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les livres des Hanabila quand tu vois la mosquée elle a niyat de faire l'i'tikaf même si tu restes un instant tu restes pas longtemps alors comment tous les livres des Hanabila siècle après siècle génération après génération ont pu comporter une telle chose sans dalil parce que dans ton mafhoum à toi du dalil dans ta compréhension du dalil à toi c'est quoi un dalil un verset un hadith. Donc cherche, tu ne trouveras pas. Mais chez les salafs, mafhoum ad-dalil awsa. Ce qu'on comprend du mot dalil, c'est beaucoup plus large que ce que toi t'en as compris. Et on trouve un sahabi qui dit, moi quand je vais au masjid, anouli atika. Et comme ces gens-là, ils ont azam les nusus, et ils ont azam hamalatu, ou hamalata an-nusus, qui sont les sahaba radiyallahu anhum, s'il n'y a pas de chose qui vient s'opposer à ça, on l'applique, il n'y a pas de problème. Mais ça, malheureusement, aujourd'hui, on a une nadariya spéciale du ilm. À la kulli hal, tu ne demandes pas ton din à n'importe qui arrive de n'importe où, j'ai étudié là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu t'étudies quoi? Tu viens d'où? Il te dit, nous, on ne suit pas les écoles, chacun est jtahid, on est des mujtahidin. Mashallah. Mashallah, il y a des mujtahidin. Mashallah. C'est exceptionnel, c'est quand même, on est des mujtahidin. Wallah, moi, je suis ébahi devant ces gens-là. Donc si tu emploies le mot mujtahid, c'est que tu sais ça veut dire quoi alors un mujtahid. Et quand on retourne dans les livres qui définissent c'est quoi un mujtahid, sur le fiqh, quel que soit le madhab que tu veux,
et regarde les conditions pour être un mujtahid. Et trouve-moi quelqu'un, toi, fait dunya, qui réunit ces conditions aujourd'hui. Trouve-moi wahad, ré wahad. Baraka. Juste un. Trouve-moi wahad. Bien là que mujtahid. On me dit, ma la yu'ribu ayatan i'araban sahihan, thumma ya'tika yaqulu lalaka annahu mujtahid. Et donc, al-fa'ida, c'est que quand tu as une grosse question, cherche les plus grands, les plus savants. Demande pas à n'importe qui. Demande pas à n'importe qui. Fas'alou ala dhikri in kuntum la ta'lamou. Et plus la question elle est grande, plus le ilm de la personne qui doit te répondre doit être grand. C'est pas n'importe qui répond à ces choses-là. C'est des questions te concernant de tous les jours de l'ibadat, comment faire les ablutions, la prière, quand tu vas faire la umrah, le hajj, les umours qui sont mabsouta fi kutub al-fiqh, qui sont bien développés dans les livres de fiqh, la haraj, il faut avoir quelqu'un qui étudie un peu le fiqh, tu lui demandes. Amma les masa'il, ce qu'on appelle al-mustajidda, al-nawazil, les cas particuliers qui n'ont pas existé auparavant. Comment on fait? Là, il faut aller voir, les grands. Et dans le rajul, سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب والراهب هو العابد الزاهد الذي يترك الدنيا ويعتزل الناس وربما عاش في صومعه وقضى جل وقته في العبادة فدل على راهب والعابد مهما على قدره في العبادة فعبادته لا تدل على علمه ولا تدل على أنه أهل للفتيا فلما سأل الناس عن أعلم أهل الأرض دلوه على راهب وهكذا عند الناس عندما يرون شخصا يتعبد يصوم الدهر ويقوم الليل كله ولا يكاد يخرج من المسجد ويكثر النوافل ويكثر قراءة القرآن فأحسن الناس الظن به وحق لهم أن يحسنوا الظن به طبعا لكن هذا الظن لا ينبغي أن يتجاوز الحدود فإننا نحسن الظن به في مجال العبادة أما مجال العلم فعبادته لا تدل على وجود العلم فيه فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا قال الراهب لا وفي رواية لا توبة لك فاستعظم الراهب شأن السائل وهذا دليل على سخافة عقل هذا الراهب وأن عبادته لم تمنعه من السفه فتصور القاتل يدرك بعقله أن مسألته ينبغي أن تطرح على أعلم الناس والراهب لا يدرك بعقله أن هذا الرجل قتل قبلك 99 نفسا أفما تهابه لو أنك كنت فاطنا لا هربت منه ولا علمت أنه ربما يقتلك هو قال له ماذا فعلت؟ قتلت 99 نفسا لا توبة لك فلم يفكر لحظة في أن ينجو بنفسه فقتله الرجل واستكمل به 100 واستكمل به 100 وهذا يدل على أن العابد مهما علت مرتبته في العبادة ومهما اشتهر أمره بين الناس فلا بد له من علم ينجو به. Alors, après qu'il ait demandé
au sujet du plus savant sur terre, on lui a donné, on lui a indiqué la route d'un rahib. Un rahib, appelle-le un moine si tu veux. C'est un dévot, un abid. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe son temps dans l'adoration. Quelqu'un qui évite, s'éloigne des gens, passe son temps à jeûner tous les jours, à prier toutes les nuits, à faire, à lire le Coran et à faire du dhikr, à ne pas quitter la mosquée, à ne faire que ça tout son temps. Un abid. En français, on dit un dévot. Et généralement, les dévots sont des ascètes, des zuhad, des gens qui ont délaissé ce bas-monde. Ce pas des gens qui sont accrochés à ce bas-monde, c'est des gens, ils mettent une tunique, une toque en laine, et ils ne cherchent pas à avoir une maison ou bien à avoir des biens comme la plupart des gens ici-bas. Cet homme-là, c'est bien qu'il soit un abid, mais quelle que soit la grandeur de l'adoration à laquelle tu t'adonnes, ça ne veut pas dire pour autant que tu as de la science. Et les gens, ils font l'amalgame. Ils font l'amalgame entre les deux. On va voir quelqu'un, toujours au premier rang, toujours il a le Coran, toujours il fait des nawafil, il rate jamais l'adhan, il jeûne tous les lundis, un jour sur deux. Ouah, lui, mashallah, c'est le meilleur. Donc, ils vont faire l'amalgame entre l'adoration et la science. Et c'est quelque chose de vieux, la preuve, ce hadith. Donc les gens, ils l'ont vu lui, j'ai dit, ah, lui, obligé, c'est un savant. Vu l'adoration qu'il a, forcément, c'est quelqu'un qui a de la science. Alors, ils lui ont dit, va voir Foulen. Il a été voir Foulen. Il a été voir un tel. Et il lui a exposé son cas. Il lui a dit, alors là, imagine-toi. Quelqu'un qui vient te voir et te dit, je viens de tuer 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Alors toi, tu dis quoi? Il a tué 99 personnes quand même. C'est pas un rigolo à qui j'ai affaire devant moi là. C'est quelqu'un qui, il a la main légère. D'un coup, hop, il tranche. Alors, tu vas mettre des gants, tu vas faire attention, mettre les formes pour ne pas qu'il s'en prenne à toi. Mais le Abid, il n'a pas réfléchi comme ça. Lui, alaykoum salam, il s'est dit quoi? Il a tué, et pas qu'une fois en plus, 99 fois le même péché cumulé. C'est quelque chose d'immense, de gravissime. Et c'est tellement grave que c'est pas possible que une telle personne ait une taouba et à repentir. Alors il lui répond avec toute décontraction, sans vaciller de l'œil, non, pas de repentir pour toi. Et en répondant ainsi, il pousse celui qui lui pose la question dans le désespoir. Lui, il avait un peu d'espoir. Il espérait sortir de ces circonstances-là dans lesquelles il vit et arrêter. Et là, il lui dit quoi? Non, c'est mort. Tu ne peux pas te repentir, c'est trop tard. Bon, ben, vu que c'est mort, que je te tue ou pas, ça ne changera rien. Ben alors, allez, vas-y. J'aime bien les chiffres ronds, je vais finir avec toi à la centaine. Et il l'a tué. Et ça te prouve que cet homme-là, malgré l'adoration dont il fait preuve, n'a pas été doté d'une intelligence qui lui a permis de réfléchir. De réfléchir déjà par rapport à la question qui lui a été posée. Et dans le cas où il n'a pas la réponse, qu'il ne se permette pas de répondre alors qu'il ne connaisse pas, qu'il n'a pas la science pour. Et surtout, de prendre en compte l'individu qui te pose la question. C'est quelqu'un, il a tué 99 personnes. C'est quelqu'un, il devait sûrement avoir une apparence effrayante. Quelqu'un qui devait inspirer la crainte et l'intérêt, la terreur. Et lui, sans réfléchir, sans hésiter, il lui dit non, pas de repentir pour toi. Résultat, son ignorance, en plus d'avoir poussé l'homme dans le désespoir, l'a poussé lui à sa perte. L'a poussé lui à sa perte. Tu vas répondre une fois dans toute ta vie à une question à laquelle tu n'aurais pas dû répondre. Et peut-être que ça va être la cause de ta perte ici-bas et dans l'au-delà. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas.
ما زال العلماء يقول بعضهم لبعض من قال لا أدري فقد أفتى، وقيل لا أدري نصف العلم، نصف العلم، وقيل كذلك من قال لا أدري أو الله أعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. Les savants n'ont cessé de dire à travers leurs écrits, se sont recommandés les uns les autres, de dire je ne sais pas. N'aie pas honte de dire je ne sais pas. Il n'y a aucune honte dans le fait d'être conscient de son ignorance. La honte elle est dans celui qui n'est pas conscient qu'il est ignorant. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. C'est la base en nous, c'est l'ignorance. Ils n'ont cessé de dire celui qui dit je ne sais pas. Eh bien, il a certes répondu correctement. Ou celui qui dit « je ne sais pas », eh bien, il a la moitié de la science. Ou celui qui dit « Allah, il sait mieux », Allah lui fera don de la science qu'il n'a pas. Allah ne te reprochera pas de t'être tu face à une question qui t'a été posée parce que tu ignores la réponse. Par contre, il te reprochera d'avoir répondu à une question qui t'a été posée, alors que tu ignores la réponse. Na'am, quand tu as la science, tu dois répondre. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, man katama ilman, aljamahu allahu bil ijamin min an-nari, yawm al-qiyama, celui qui cache une science, il sera baillonné avec un baillon, je ne sais pas si on dit un baillon, c'est comme ça? Il sera baillonné, muhim, avec du feu, le jour de la résurrection. Donc quand tu as une science, tu dois la donner. Mais attention, les kulli maqamin maqal, wa laysa kullu ma yu'rafu yuqal. Dans chaque circonstance, il y a une parole appropriée. Et ce n'est pas tout ce qu'on sait qui se dit. Des fois, par hikma, par sagesse, tu dois observer le silence. Des fois, la meilleure réponse à donner à la question qu'on te pose, c'est le silence. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة هي القول الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي مع الوجه الذي ينبغي. La sagesse, c'est la parole qui convient au moment qui convient avec la personne qui convient. على كل حال, ce rahib ici, ce moine, ce dévot, a été tué par cet assassin parce qu'il s'est permis de répondre à une question dont il n'avait pas la science. Et واختم درسي هذا بمسألة. Et on va clôturer ce cours avec une question d'ordre juridique sur laquelle les savants ont plus ou moins divergé. طيب. هل للقاتل توبة؟ Est-ce que l'assassin il peut se repentir؟ أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن للقاتل توبة. يعني tous les savants sont d'accord, les anciens et les derniers, que le tueur peut se repentir. لكن خالفهم في ذلك عبد الله بن عباس. Mais عبد الله بن عباس lui il a dit non. ليس للقاتل توبة. Le tueur il a pas de توبة. Après la mas'ala fiha munaqasha. Cette question là, on peut débattre. Allah dit dans le Coran: "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Quiconque tue un croyant volontairement, sa rétribution sera l'enfer où il demeurera éternellement et Allah sera en colère contre lui. Et il le maudira, et il aura un châtiment terrible. Celle-là, mais de l'autre côté. Garde-la en tête, ce verset. Et Allah dit dans le Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Dans le Furqan, Allah Ta'ala dit, quant à ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah Ta'ala a interdit de tuer, sauf si elle le mérite, et qui ne font pas la fornication, et quiconque agit ainsi,
il trouvera un énorme péché, le châtiment lui sera multiplié, et il restera éternellement avilié en enfer, sauf celui qui se repent et croit et fait des actions vertueuses, alors lui, Allah remplacera ses mauvaises actions par des bonnes. Donc ce verset, il dit que al-qatil hu tawba. Donc ma dhahaba ilayhi al-jamahir, la majorité des savants sont unanimes sur le fait qu'il y a une tawba pour chaque péché. Allah dit dans le Coran, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Et si un qatil, si un tueur il tue quelqu'un et il se repent, baqiya haqqul maqtul, il y a le tué qui a son, encore son droit dans cette histoire là fala yazalu Allah azza wa jalla yurdihi yawm al-qiyamati bi qusurin fil jannati wa ma ashbaha dhalika hatta yatajawaza an qatilihi at-ta'ib wa hadha ja'at bihi an-nusus al-kathira. Donc beaucoup de textes, le prophète nous informe sallallahu alayhi wa sallam que quand le tué viendra au jour de la résurrection avec son assassin, cet assassin qui s'est repenti après avoir fait ce mal-là, alors Allah Ta'ala ne cessera de convaincre la victime de pardonner à son assassin en échange de récompenses au paradis énormes et grandioses. Il lui fera voir un palais grandiose et exceptionnel et merveilleux et lui dira « Atadfa'u thaman ?» Tu donnes le prix pour vivre dans ce palais-là. Il dit, Oman Yamliku Saman, qui c'est qui peut payer un truc pareil? Il dit, toi tu peux. Comment? En pardonnant à ton assassin. Alors il lui pardonnera, ils rentreront tous les deux au paradis. Main dans la main. Donc, Ash-Shahid Minan Nosus, la plupart des textes prouvent bien que le tueur, comme n'importe quel autre pécheur, peut se repentir. Et Allah dit dans le Coran qu'Allah il pardonne tous les péchés, sans aucune exception. Même le shirk, celui qui demande à Allah de lui pardonner le shirk, Allah il lui pardonne le shirk. Et donc, pourquoi Abdullah ibn Abbas il a dit non? Alors, Nas, ta'awalu qawla. Les savants, ils ont interprété sa parole. Ja'ahu rajulun fi wajhihi malamihu sharri badia. Un homme dont le mal est visible sur le visage est venu voir Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit, hal lil qatil tawba? Il lui a dit, est-ce que le tueur il a un repentir? Fatafarrasa lahu ibn Abbas. Ibn Abbas il a senti une intuition. Hada rubama yuridu an yaqtul thumma yatub. Fa aghlaqa al-baba fi wajhihi wa qala la. Hatta yatruka al-qatl. Ibn Abbas, il a eu l'intuition que cet homme-là, il ne vient pas demander pour savoir. Il vient demander pour se préparer. Il avait envie de tuer. Alors il voulait savoir s'il tue, il pourra se repentir. Ibn Abbas lui dit non. Il ne peut pas se repentir. Alors l'homme, il est parti. Pour lui enlever l'envie de vouloir tuer. Wa hadha adhar ma yufhamu bihi kalama. Ou kalam ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et ça, c'est l'une des interprétations qui nous permet le mieux de comprendre la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. D'ailleurs, si Allah tabaraka wa ta'ala, il a permis aux gens avant l'islam de se repentir du meurtre, et que notre communauté, al-ummatul marhuma, c'est la communauté par excellence qui bénéficie de la miséricorde d'Allah azza wa jal, fala an tuqbala tawbatuha. Donc le fait qu'Allah il accepte le repentir de cette communauté-là, quel que soit le péché qu'ils font, est prioritaire et en avant sur le fait qu'Allah il a accepté déjà de la part des gens qui nous ont précédés. Parce que nous, on bénéficie d'une rahma de la part d'Allah Azza wa Jal que ceux qui nous ont précédés n'ont pas eu la chance d'avoir. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى on finira le hadith la semaine prochaine. Ne ratez pas le second épisode avec la fin إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا.
وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يوفقنا لتوبة النصوح، وأن يجعلنا من المستغفرين التائبين الصادقين المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.